Bon, par terre. Ivan Gaston est professeur d'histoire contemporaine. Je sais qu'il y en a certains qui le connaissent, qui viennent du Sud, d'où mon accent également. Donc, il est professeur d'histoire contemporaine à Nice et spécialiste des questions contemporaines qui sont centrées sur l'histoire des migrations et des relations interculturelles en Méditerranée à l'époque contemporaine. Ce qui explique pourquoi son champ de recherche est ouvert autour du thème de l'immigration et ça va toucher également son travail de recherche sur la presse, donc sur les médias, sur le football. Il y a eu récemment une exposition qui a été remarquable hein, sur le football et l'immigration. Ça touche également le thème, autant de thèmes divers. Surtout, Ivan, tu as travaillé avec l'historien Stéphane Mourlane, qui est ici présent, professeur d'Aix-en-Provence. C'est vraiment un collaborateur précieux, puisque tu as fait beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'immigration qui ont des dates. Et en même temps, le dernier ouvrage que tu as fait également avec Pascal Blanchard, Sexe, race et colonie, qui a été édité cette année. Voilà, alors je n'ai pas parlé trop longtemps, malheureusement, parce qu'il reste quand même. La conférence était prévue pour 1h30. Il y avait tout un pédigré que je voulais présenter. Vraiment, je vous le laisse. C'est un brillant conférencier. Les méridionaux du Sud-Est me connaissent bien et je vous laisse le découvrir. Ce thème de la frontière, quand même, je voulais vous m'arrêter sur ce point, est très très important, surtout pour Niçois, puisque nous sommes à la proximité de la frontière italienne. Et c'est un issue également d'un gros travail de recherche qui a été honoré, qui a été primé, et notamment en 2016, que tu as fait une exposition sur ce thème. Je sais que tu vas dire, ça va être le lieu également de ton travail. Alors, le travail que tu as présenté, c'est à partir des archives audiovisuelles, donc à travers le cinéma et les archives sonores, tu vas faire ce travail justement de présentation sur cette frontière, sur les champs de frontière, sur les migrants. D'abord, un travail d'abord historique, tu vas démarrer par le 19e siècle jusqu'au 21e siècle, puisque c'est encore une réalité. Voilà, bonne écoute. Merci beaucoup. Merci Annie, merci à Nicolas pour ta présentation. Donc, très heureux d'être l'invité des Clionautes et d'être dans cette salle au Festival de Blois. Alors, effectivement, je viens assez régulièrement, pas forcément tous les ans, mais assez régulièrement au Festival depuis le début de sa création, hein, donc, dans différents lieux. Bon, et donc, je suis heureux que vous soyez là ce soir pour réfléchir à la question donc, de la frontière franco-italienne. Alors, je précise un peu dans les Amérindiens, je vais un peu élargir, hein, vous allez voir, et peut-être qu'on gardera un petit peu de temps avant 18h pour la discussion aussi, pour des questions. J'aurais pu intituler « Traverser la frontière », parce que c'était le titre véritable, « Traverser la frontière », puisque c'est ça qui va m'intéresser. Et puis j'ai essentiellement, comme tu viens de le dire Annie, l'ambition de développer la notion d'intensité médiatique. Je vais essayer de montrer en quoi il y a une forme d'intensité médiatique dans l'idée de traverser la frontière. Alors, c'est une série de journées sur l'Italie, hein, et donc j'essaie de rester dans le cadre de cette discussion sur l'Italie, puisque là, effectivement, il s'agit de réfléchir à la manière dont la France et l'Italie ont été marquées par cette frontière assez ferme, on pourrait dire, assez importante. Déjà, une frontière qui est liée au relief. Hein, quand on vient d'Italie vers la France, on franchit un relief qui est assez conséquent, et qui pouvait d'ailleurs être une frontière avant même que la frontière existe. C'est-à-dire, en fait, le franchissement des Alpes était en soi déjà une forme de frontière qui n'était pas forcément lié à un changement d'État. Hein, mais il y a pas mal d'historiens de l'époque moderne qui ont montré que franchir les Alpes. Alors j'ai très rapidement rappelé l'épisode d'Hannibal, par exemple. Hein. Alors Hannibal, c'était dans le sens ouest-est, hein, qu'il avait traversé la frontière. Alors, il y a tout un imaginaire, effectivement, de la traversée des Alpes avec des éléphants, ce qui est évidemment quelque chose d'assez original pour nous aujourd'hui. Hein, mais il faudrait vraiment s'intéresser à cette dimension de traversée. Alors Hannibal, il arrivait côté de la France pour arriver à l'Italie. Dans le contexte des guerres puniques, on est moins de 218 avant Jésus-Christ. Donc il y a une sorte de, je voulais le dire d'emblée, et je ne vais pas aller plus loin là-dessus, hein, à la faute de temps, c'est qu'il y a vraiment un cadre très ancien, une histoire très ancienne du franchissement des Alpes, indépendamment de la France et de l'Italie, à l'époque où la France et l'Italie
n'existait pas administrativement réellement. Bien sûr, aussi Napoléon, hein, regardez ce fameux tableau de Bonaparte franchissant, c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau de Jacques-Louis David, hein, un des tableaux les plus connus concernant Bonaparte, hein, lui aussi confronté aux éléments de la montagne, en fait. Hein. Donc ça, c'est effectivement un élément extrêmement important. Et je vais un petit peu me focaliser quand même sur les Alpes-Maritimes, parce que je voulais que ce soit avec une heure, donc j'ai essayé de me rassembler en quelque sorte, non sans quand même avoir considéré que, et je partirai, Annie, je vais parler de la chronologie, je vais un peu déconstruire la chronologie pour partir aussi d'aujourd'hui, mais néanmoins, et là aussi je vais m'en échapper aussi, pour parler d'un élément important sur la question de la frontière avant les Alpes-Maritimes, plus haut que les Alpes-Maritimes, il y a deux endroits qui sont effectivement des endroits très intenses, en matière de flux, de passage, de franchissement, mais aussi de regard des médias. Alors à l'époque des médias du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est par exemple la carte postale, hein, au tout début du 20e siècle, ça pouvait être aussi la presse, qui faisait de la ville de Modane une ville majeure. Aujourd'hui un peu endormie, Modane, hein, je ne sais pas si certains connaissent Modane, un peu endormie à l'ombre, en contrebas du tunnel du Fréjus. Mais Modane, quand vous allez à Modane, vous êtes pris par le patrimoine de la migration, vous êtes pris par le patrimoine du franchissement. La gare de Modane, notamment les gares dans ces lieux de passage, sont des moments importants. Hein. On parlait tout à l'heure du cas de la Roya, notamment, mais Modane, vous voyez cette carte postale qui date, je pense, du tout début du XXe siècle, hein, je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être 1900, 1905, 1910, où vous avez cette intensité de la population présente qui est en... qui est en stand-by, qui est en attente, qui arrive, qui attend un jour, deux jours pour avoir l'affectation qui sera la sienne lorsque ces populations viennent d'Italie. Et ce qui est important de dire ici d'emblée, c'est que jusqu'à un certain moment, on va dire en gros 1945, voire un peu plus, la question du franchissement de la frontière est essentiellement une question qui concerne les Italiens. Alors non pas que des Français ne vont pas de l'autre côté, hein, il y a aussi des franchissements dans l'autre sens, comme Hannibal, mais globalement, le gros, à la fin du 19e siècle, du passage de la frontière, que ce soit au nord des Alpes, Modane, ou au sud, du côté de Vintimille, c'est effectivement une migration qui est plutôt de travailleurs immigrés italiens, seuls, familles, venant théoriquement, officiellement, hein, quand ils arrivent par la voie officielle, ils débarquent à Modane, enfin ils débarquent, ils arrivent par le train à Modane, et Modane a été donc décrété gare internationale en 1871 avec des accords franco-italiens à une époque où les relations franco-italiennes étaient relativement calmes, relativement ouvertes, on pourrait dire. Et donc le fait que Modane soit gare internationale, c'est donc une part de l'Italie qui vient vers la France puisque la gare est co-gérée par l'État italien et par la France. Donc cette ville de Savoie qui aujourd'hui n'est plus peuplée que de quelques milliers d'habitants, hein, 5-6 000 habitants maximum, en lien avec la petite ville qui est de l'autre côté de la frontière dans le Piémont, qui est Bardonecchia, Bardonecchia en français, dans la vallée de Suse, qui est elle aussi à peu près de la même teneur, hein, de population, 3-4 000 habitants. Et si vous voulez, cette relation intense entre les deux villes de migration, elle s'est éteinte définitivement lorsque le tunnel du Fréjus a été ouvert en 1980. 1980, quand on passe à Modane, à part si on s'est arrêté pour faire du tourisme ou pour visiter le patrimoine de l'immigration, eh bien on passe par le tunnel et puis on voit Modane en contrebas totalement endormi dans ce cadre-là. Donc voilà, plein de cartes postales qui à cette époque-là présentent, vous voyez, qui ont été éditées à Annecy, hein, la gare de Modane, fixation de la du franchissement de la frontière avec les migrants italiens qui arrivent dans ce cadre-là et qui donnent, si vous voulez, une image des Italiens, alors là on n'est plus vraiment à Modane, mais qui, une fois qu'ils ont franchi la frontière, se retrouvent dans des situations souvent de dénuement, de difficulté à pouvoir s'installer malgré leur caractère officiel. Parfois c'est difficile et ils sont souvent parqués, amassés après Modane, ça peut être la gare Saint-Lazare à Paris où ils peuvent arriver aussi. Hein, les étapes c'est souvent ça dans la migration, les itinéraires de migration. Et donc là par exemple, c'est le petit journal, le supplément illustré que vous connaissez sans doute, en 1896, qui montre finalement des Italiens en attente, en haillant, un peu démunis, un peu perdu dans cette gare de Saint-Lazare où ils arrivent à Paris vraisemblablement pour être affectés quelque part. Hein, donc ils attendent, et souvent ces zones d'attente sont des éléments qui nous ramènent à la migration vraiment d'aujourd'hui. Hein. Donc les émigrants italiens à la gare de Saint-Lazare, c'est effectivement un élément important. Alors pour finir avec Modane, parce que je vais m'échapper de Modane, malheureusement en fait de temps, mais si vous y allez un jour, allez voir le musée au bar. C'est un musée, vous savez, quand il n'y a plus de réalité de la migration, on a tendance à placer, enfin, avec
si on peut le faire et qu'on a un certain dynamisme, on peut placer un musée. Ça s'appelle le Musée Urbain. En fait, c'est un ancien café italien transformé en musée où on vous parle du patrimoine culturel de ces migrants italiens qui stationnaient là, parfois se sont arrêtés là aussi, mais qui passaient par là. Et toute la dynamique des migrations, y compris, on va en parler, ce qu'on appelle les passeurs, qui sont souvent pointés du doigt, la réalité du passeur à cette époque-là, quand je dis les années 1880, 90, 1900, c'est une réalité qui ne pose pas de problème particulier. Le passeur, c'est un berger, c'est un paysan, c'est un agriculteur, c'est un montagnard qui arrondit ses fins de mois en finançant des passages, enfin en étant financé par des migrants qui parfois contreviennent à la loi et passent clandestinement. Mais à l'époque, on ne parle pas de clandestins, parce que d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de politique d'immigration et on ne montre pas vraiment des papiers. Hein. Les papiers commencent à arriver à ce moment-là, mais ils ne sont pas encore clairement établis. Et donc, c'est beaucoup plus, je dirais, agencé de pouvoir faire ce type de passage. Donc, je voulais dire que, et on va revenir aux Alpes à la fin. Vous allez voir pourquoi, parce que dans l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des affaires récemment, justement, de migration qui ont changé d'itinéraire, qui passaient beaucoup par le sud, je vais parler maintenant, et qui sont désormais repassés par ces endroits-là. Et qui ont, d'une certaine manière, réinvesti des territoires qui avaient perdu un petit peu cette habitude de la migration, avec aussi une intensité médiatique. On va les voir, intensité médiatique avec des formes d'accueil, mais aussi des formes de rejet. On va en parler, puisque ça s'est passé il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Et qu'aujourd'hui, ces itinéraires bis, on pourrait dire de la migration, ont été essentiellement relancés parce que l'itinéraire central, qui était 26 milles, était saturé, d'une certaine manière, pour plusieurs raisons. Donc la saturation a fait qu'on a retrouvé d'autres routes, en quelque sorte, et que ces routes sont revenues sur des routes anciennes, plus au nord, par rapport à Vintimille. Alors, faute de temps, je pars sur les Alpes-Maritimes et sur donc, ce département. Tu l'as dit, Annie, tout à l'heure, hein, Nice, Monaco, pas très loin de la frontière, Menton, bien sûr, principalement. Menton, alors, ce sont des villes plus importantes que dans le nord des Alpes, hein, puisque face à face, on Menton avec une trentaine de milliers d'habitants, à peu près, aujourd'hui, et Vintimille, un peu plus importante, à 50 000 habitants environ. Et ce qui est intéressant, la comparaison entre Modal et Vintimille, c'est que Vintimille, quelques années plus tard, en 1882, est devenue à son tour gare internationale. Comme l'itinéraire mis au départ, c'était l'itinéraire central, c'était Modal, mais on a dégagé un second itinéraire par le sud, qui était Vintimille. Et c'était un peu l'inverse, c'est que Vintimille est devenu un morceau de France, qui va d'ailleurs provoquer des problèmes au moment où il y aura le régime fasciste, il y aura beaucoup d'affrontements. La gare de Vintimille est un moment un lieu d'affrontement, parfois de violence entre cheminots, notamment. Et donc en 1882, Vintimille devient gare internationale. Et finalement, on a un maillage territorial des deux pôles, nord et sud de la frontière, pour le franchissement officiel, qui évidemment emprunte la route du chemin de fer. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres manières de passer, mais globalement, la route officielle et médiatique, on pourrait dire, est celle du chemin de fer. Et c'est une frontière, cette frontière ici, qui est une frontière qui a un petit peu bougé. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous voyez, cette zone frontalière, évidemment, qui a beaucoup changé en 1860, avec non seulement le rattachement et de la Savoie à la France et du comté de Nice, hein, ces deux parties devenant françaises, la frontière a changé de zone, en quelque sorte. Et même, il y a eu des ajustements après 1945, notamment ici, lorsque toute cette partie qui était une partie que les Italiens avaient conservée, alors on a beaucoup parlé, c'est une sorte d'anecdote, que le roi d'Italie avait demandé à garder ses réserves de chasse, et donc de tracer une frontière qui n'était pas sur les lignes de crête, mais qui était en contrebas des lignes de crête, faisant de villages qui étaient de ce côté-ci de la chaîne des Alpes, du côté de l'Italie, je pense notamment au village de Tende, la Brigue, hein. Ce qui est un élément absolument essentiel, si un jour je vous invite à le faire, si vous ne connaissez pas, peut-être certains connaissent ici, mais vous allez passer la vallée de la Roya et vous allez voir cette frontière qui n'existe plus officiellement, mais qui est complètement marquée par des postes frontières abandonnés. Et quand vous allez à Saint-Dalmas-de-Tende, vous avez une gare monumentale. Vous avez un village de 700 habitants et vous avez une gare qui est l'équivalent, qui est plus grande que la gare de Blois par exemple, et qui est une gare qu'avait construit effectivement Mussolini, pour montrer que la frontière s'arrêtait là et qu'effectivement, il y avait matière à créer une architecture qui était une architecture qui ne s'adapte pas du tout à une vallée de petits villages, en fait. À Saint-Dalmas-de-Tende, c'est voilà, 700 habitants maximum. Hein, donc, et une gare qui correspond à une gare d'une ville de 30 000 ou 40 000 habitants. Voyez, donc il y a un patrimoine comme ça de la frontière, mais même des éléments liés à la frontière comme la gare, comme les gares. Et cette frontière, donc, réajustée en 1947, cette dernière modification frontalière avec cette... sur la ligne de crête, hein, effectivement, qui désormais fait de la frontière une frontière qui
qui se calque sur, sur la géographie, on pourrait dire, des montagnes en quelque sorte, eh bien, a permis de récupérer ces territoires qui ont pas mal posé problème localement, mais ça aussi je laisse ça de côté. Et évidemment, ce qui m'intéresse d'emblée, c'est de parler d'aujourd'hui d'abord, compte tenu de ça, avec, si vous voulez, bon, compliqué, hein, regardez, ça c'est une carte de Migreurope, vous savez, cet observatoire des frontières militant, hein, qui essaie d'observer la manière dont on passe pas les frontières, dont les frontières sont empêchées. Et les militants de Migreurope, avec des collègues géographes, ont proposé cette carte de ce qui est devenu la frontière aujourd'hui, c'est-à-dire, finalement, le dynamisme que représente la frontière en termes de franchissement en tout genre, mais aussi en termes de surveillance, encore une fois, la frontière, c'est le péage autoroutier, c'est plus simplement la ligne, c'est plus simplement le poste, mais c'est un endroit de l'autoroute où il y a un péage qui permet aux policiers de faire des contrôles qui n'est pas tout à fait au moment de la frontière, mais là où les voitures ont tendance à stopper pour payer, etc. Mais aussi à des moments dans la vallée où les policiers se parquent pour arrêter toute voiture pour contrôler d'éventuels clandestins, mais aussi de voir les formes de militantisme, voir aussi les manières dont on passe à travers les flots, hein, notamment par la mer aussi. Donc c'est un espace qui est complexe. Voilà ce que je veux dire par là. Et cette complexité, cette carte me semble bien la traduire, bien la mettre en scène pour montrer que tous ces mouvements sont des mouvements qui sont à la fois effectivement officiels, plutôt les verts en quelque sorte, hein, et puis tout le reste sont des flux qui sont plutôt informels en quelque sorte, et qui montrent... Voilà, moi ce qui m'intéresse là, c'est la dimension d'intensité. Une frontière est toujours quelque chose de dynamique, dynamique au sens où elle est équipée par des douaniers de part et d'autre, elle est équipée parfois par des policiers, elle est équipée par des commerçants. On va souvent de l'autre côté de la frontière, alors ça existe dans toutes les frontières, hein, pour aller prendre des produits moins chers ou meilleurs. Enfin bon, voilà, il y a ces franchissements qui sont importants aussi et qui renvoient à ce que tu disais, Annie, le fait qu'il y a aussi des gens de frontières qui agissent là. À différents titres, à différents niveaux, pour leur propre intérêt, parfois pour aider, parfois pour réprimer aussi. Donc il y a une réalité qui renvoie à cela. Et si vous voulez, la première forme d'intensité médiatique, on pourrait dire, c'est que bien souvent viennent à la frontière des politiques. Regardez ici, c'est pas pour faire de l'humour, hein, c'est pas... Mais il y a un défilé à la frontière, et notamment à la frontière de Vintimille, d'un politique, quand ils viennent à Nice, ou quand ils viennent dans les Alpes-Maritimes, ou quand ils viennent, Alors là, c'était à l'époque de... Claude Guéant, vous reconnaissez, vous êtes peut-être oublié parce que les gouvernements se succèdent. Guéant, le maire de Menton, Éric Ciotier, Esprosi, c'était copain à l'époque, qui viennent à Menton au marché et qui viennent faire un tour à la frontière pour montrer que c'est là qu'il faut maîtriser les flux migratoires. Et ça dit quelque chose, évidemment, de la question de l'immigration. On n'a pas encore eu Emmanuel Macron, mais peut-être que ça ne saurait tarder, je ne sais pas, hein, dans une visite où, effectivement, on visite de manière très officielle les différents postes frontières. Et pour vous donner un exemple, j'ai quelques vidéos avec moi, on a eu pendant la campagne électorale, alors celle qui est venue le plus souvent à la frontière, on l'imagine, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est venue en 2017, voilà un petit condensé de ce circuit des politiques à la frontière. Je ne sais pas si on l'entend, mais si on n'entend pas, c'est pas grave. Non, je ne dis pas ça, pardon. Bon, ça passe pas très bien, mais on comprend, si vous voulez, voilà, le défilé de Marine Le Pen qui vient donner un petit peu sa vision de la frontière et de la nécessité, bien sûr, de maîtriser les flux. De la lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme plein des larmes. Eh bien, moi, je pense que les idées que je défends... C'est pas un passage contraire. Je pense que votre France. Voilà, donc oui, l'idée c'est ça, vous avez compris, eh bien, il y a un défilé pour montrer que les hommes politiques s'intéressent à ces lieux, et là vous avez une première intensité médiatique, c'est que là vous avez déjà, vous voyez, batterie de journalistes, batterie d'hommes politiques locaux, le préfet, etc., qui viennent visiter des lieux qui théoriquement sont des lieux obsolètes, puisque en théorie cette frontière n'existe plus depuis le traité de Schengen, et ces lieux ont été d'une certaine manière mis en obsolescence et devenus presque... les postes sont rouillés, et on voit des policiers ou des douaniers rééquiper des postes qui, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir s'il fallait les faire disparaître ou pas. Et dans ce contexte-là, effectivement, on est dans une situation qui, bien souvent, est assez problématique, hein, mais qui montre que cette frontière, elle est marquée par cette forme d'intensité. Alors, je reviens à mon diaporama. Alors, tout ça a posé quand même, puisqu'on est sur la question d'Italie, un problème historique déjà, hein, c'était l'année 2011. Début de ce qu'on pourrait appeler la dite crise migratoire, hein, bon, au moment des printemps
arabes, lorsque, effectivement, cette année 2011 a envoyé les médias du côté des frontières, en particulier de celle de Vintimille, justement, hein, c'est pour ça que j'insiste sur celle-là, et ça a bien suscité une crise franco-italienne, puisque c'était l'époque, comme vous le voyez, du gouvernement Berlusconi, avec effectivement un poids assez fort de la Ligue du Nord dans ce gouvernement, cette confrontation, notamment avec la France et en particulier la diplomatie française de Nicolas Sarkozy, sur le sort des migrants. C'est-à-dire que là, avec la situation nouvelle, il ne s'agit plus de migration italienne, on l'a bien compris, mais de migration venue d'ailleurs, qui pose des problèmes de conflit entre les deux, entre guillemets, sur Latine, notamment en 2011, où on s'est renvoyé les migrants, pour la première fois de manière médiatisée, de manière conflictuelle, en quelque sorte. Et effectivement, cette idée que les Italiens ont délivré des permis provisoires de séjour de 6 mois à des migrants qui pouvaient donc traverser la frontière, non, c'est ça. Donc les Italiens, pour le dire simplement, poussaient les migrants à venir en France, en quelque sorte, et les Français récupéraient les migrants et les renvoyaient en Italie. Donc il y a eu à un moment une crise. Et c'est pas tout à fait nouveau, parce que si on se situe au 19e siècle, c'est le même phénomène. Moi, j'ai vu dans les archives à Nice la police qui récupère ce qu'on appelait à l'époque des vagabonds, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, parce qu'il n'y a pas de papier véritablement d'identité, et qui, à partir du moment où ils voient qu'ils parlent italien, qu'ils ont une figure d'italien et qu'ils sont plus ou moins mendiants ou clochards ou qui n'ont pas de logement, les prennent et les envoient en Italie. Et donc, on a des vagabonds qui repassent la frontière 10, 15, 20 fois comme aujourd'hui. Donc, on a des gens qui sont très connus des services de police, des services de douane, et qui sont des habitués, sont presque des gens de frontière, en quelque sorte. Ces vagabonds sont des migrants clandestins de l'époque, en quelque sorte, et il y avait déjà cette forme de discussion entre la France et l'Italie. Et effectivement, le 4 mars 2011, donc vous avez vu Claude Guéant tout à l'heure, vient à la frontière, dans cette image, pour dire la chose suivante, je cite, il vient à la frontière pour dire aux amis italiens qui sont de l'autre côté, hein, qu'ils doivent jouer le jeu de la règle européenne. Voilà ce que dit Guéant. C'est la responsabilité du pays d'accueil, c'est-à-dire le premier accueil étant l'Italie. Hein, nous demandons aux Italiens de retenir les personnes qui se présentent chez eux et de reprendre celles que nous leur renvoyons. Hein, donc, et l'objectif était de renvoyer 28 000 migrants passés par cette frontière de manière clandestine, de les renvoyer à l'Italie. Alors évidemment, ça suscite à l'Italie une émotion, une crise franco-italienne, qui ne sera apaisée que lorsque Nicolas Sarkozy va se rendre à Rome à ce moment-là, vous voyez, Italo Francese, le fameux sommet franco-italien d'Europe sur l'immigration, qui s'est déroulé le 26 avril 2011, et qui a, d'une certaine manière, apaisé un temps, les oppositions qui ne vont pas tarder à réapparaître. Aujourd'hui, le conflit n'est absolument pas réglé sur ces pays du Sud qui disent qu'il faut que nous supportions avec d'autres le poids de la migration, et d'autres qui disent que vous êtes les premiers, donc c'est la question des fameux Dublinés, des migrants de Dublin, bon, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, avec cette idée que les Italiens ont demandé des modifications du traité de Schengen à la libre circulation à cette occasion-là. Et donc, à partir de 2011, il y a le début d'une séquence historique effectivement extrêmement importante, une séquence qui, donc, redonne une dimension médiatique au franchissement de la frontière, qui était un peu délaissée, on va dire, je ne dis pas qu'elle n'existait plus, ce franchissement de la frontière, mais les médias étaient moins intéressés à ce sujet. Désormais, ils vont s'y intéresser à nouveau, avec deux nouveaux éléments, on pourrait dire. D'abord, donc, l'idée d'un contentieux durable franco-italien, dont Menton et Vintimille et la cristallisation, on va le voir ici. Et d'une certaine manière, cette cristallisation elle se situe sur ce territoire assez limité de Menton et Vintimille, avec le poste frontière double de cet endroit. Deuxièmement, l'idée que la gestion franco-italienne, justement, des migrants, contrairement au passé, n'est plus une gestion qui concerne les populations italiennes, ce qui était souvent un enjeu à l'époque de Mussolini ou avant, où on monnayait éventuellement des discussions sur le fait de faire entrer ou pas des ouvriers italiens. Là, désormais, les deux États discutent sur des populations autres. Donc ça, c'est un élément qui s'est largement développé, en quelque sorte. Et d'autre part, l'idée selon laquelle, effectivement, chaque pays conserve, d'une certaine manière, sa propre main sur les migrations. Et là, du coup, la frontière réapparaît aussi, d'une certaine manière, autour de ça. Et bien sûr, vous comprendrez qu'il y a là une sorte de paradoxe sur la situation de libre circulation en Europe. Ça remet tout ça en cause, évidemment. Et il me semble que c'est une question majeure, sur non seulement la question des migrations, mais sur la question de l'Europe, avec ce paradoxe territorial qui est absolument inconcevable, en quelque sorte. Le poste frontière est donc abandonné ici, derrière, là, hein, vous voyez ben, le panneau France, on est en bas, à Vintimille, ici, hein, entre Menton et Vintimille, Menton derrière, Vintimille est de ce côté-ci. Et bien, en 1998, ce poste est fermé. On l'a fermé à clé, on l'a laissé en jachère, les douaniers sont partis, tout le monde peut circuler. Ça, c'est 98.
1998, il a fallu quelques années pour en arriver à cet abandon, en quelque sorte, hein, application des accords de Schengen, et à partir de 2011, ce poste qui est resté pendant 15 ans à l'abandon, eh bien, est progressivement rééquipé. Et si vous y allez semaine après semaine, vous voyez que le poste, petit à petit, reprend la forme, reprend de la vie, en quelque sorte. Et donc, on va voir cette dimension de tension qui va prendre un degré de plus lorsque nous sommes ici en 2015, où vous voyez ici la naissance d'un camp. Alors, c'est un petit calais qui a été formé, qu'on a appelé le camp du Presidio. Alors, c'est un camp qui a été notamment mis en place par ce qu'on appelle les no-borders, les militants en faveur de la migration au sens de la possibilité que les migrants puissent circuler. Donc, ce camp du Presidio a été, d'une certaine manière, défendu par des militants de la Croix-Rouge, française et italienne, Médecins du Monde, des mouvements antiracistes généraux et locaux également, avec une théorie italienne qui s'appelle la Giostra. G-I-O-S-T-R-A. Et la Giostra, c'est justement cette idée que de part et d'autre de la frontière, il y a une sorte de circulation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les migrants traversent clandestinement la frontière, sont récupérés en France et sont renvoyés en Italie. Ils traversent la frontière, ils sont récupérés en France et sont en Italie. Une sorte de circulation comme ça, permanente, du jeu et du chat et de la souris, entre migrants, passeurs, policiers et militants. Avec au milieu des chercheurs et des journalistes. Il y a un embouteillage de chercheurs, par exemple, des sociologues qui sont, ils s'affluent, ils se marchent dessus parfois même pour étudier les phénomènes, pour aller interviewer les gens. Donc le sujet a vraiment suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Et évidemment, cette dimension-là est une dimension qui va effectivement considérer que ces migrants décident de ne pas vouloir passer la frontière par des moyens détournés pour dire que cette frontière doit être ouverte, ils doivent passer. Donc ce camp a duré plusieurs mois, effectivement. Il était situé, vous voyez, en bord de mer, hein, sur les rochers de la bordure de mer, et ce camp du Presidio, pendant cette période, effectivement, va susciter une véritable attention médiatique tout à fait forte, hein, avec des moments durs, des moments violents, en quelque sorte, qui vont mettre en avant à la fois la volonté répressive de la France. Regardez ces images où on montre ces policiers qui surveillent ces migrants. Alors, ils sont parfois 100, parfois 200, parfois un peu plus, aujourd'hui moins, en quelque sorte, et qui, voilà, demandent justement de passer la frontière, de franchir la frontière sans qu'on aller, une fois qu'ils ont mis le pied en Europe, pour eux, il n'y a pas de raison qu'ils soient refoulés dans cette frontière qui n'a pas de sens, en fait. Vous voyez, et effectivement, ça renvoie à cette dimension, encore une fois, de Dublin. Et se met en place ici, à cette occasion, ce qu'on va développer plus tard, c'est ce qu'on va appeler le délit de solidarité. C'est-à-dire que des gens vont aider des migrants à franchir la frontière et seront arrêtés par la police et punis à des peines de prison. Avec sursis, dans un premier temps, ça va susciter effectivement une émotion en France, notamment ce personnage que vous connaissez peut-être, qui est Cédric Guéroux, qui a été un peu le défenseur emblématique des migrants, connu dans l'Europe entière presque, hein, en quelque sorte, et qui lui, un peu plus haut dans la Vallée de la Roya, a développé dans sa propriété agricole la possibilité d'accueillir des migrants, pas devenir un passeur au sens médiatisé et stigmatisé du terme, mais de devenir quelqu'un qui sera en mesure de pouvoir aider et faire en sorte que cette solidarité est une valeur humaine qui doit être une valeur d'avenir, en quelque sorte. Et il me semble que cette figure de Cédric Guéroux, on pourra en dire ce qu'on en veut, on pourra en discuter, mais a renouvelé aussi l'image qu'on pouvait avoir de l'accueil en France, avec de nouvelles formes d'accueil, de nouvelles formes de militantisme. Certains vont dire que c'est une manière d'agiter à des fins de subversion, et d'autres considérant que c'était tout à fait utile que de faire ça. Et voilà comment cette vallée montagneuse, en quelque sorte, va devenir un peu le lieu d'une nouvelle forme de solidarité rurale et transfrontalière, avec un Cédric Guéroux qui est devenu une sorte de figure emblématique dans ce cadre-là. Et même, comme je vous disais, depuis cette époque, 2014-2015, à partir du moment où Cédric Guéroux et toute son action a été médiatisée, l'intensité médiatique va vraiment se développer à partir de cette année-là, autour du passage des migrants, hein, avec effectivement cette dimension d'embouteillage, comme je le disais, de toute une série de personnes qui vont s'intéresser à la frontière, à la manière dont on les passe, à la manière dont on les contourne, à la manière dont on aide les migrants, à la manière dont on réprime les migrants, quelles sont les stratégies de la police de l'air et des frontières, quelles sont les stratégies des antiracistes, est-ce qu'ils s'entendent entre eux. Il y a plein de problématiques qui germent, que c'est effectivement un élément important, jusqu'à notamment cet ouvrage de Raphaël Kraft, qui est un journaliste que vous connaissez peut-être, qui était journaliste, et plus encore, mais il a été pendant longtemps journaliste à France Culture, et qui a écrit un ouvrage justement un peu provocateur qui s'appelle Passeur.
Et en fait, lui, en tant que journaliste, est venu faire une enquête à la frontière de Vintimille et s'est senti bouleversé par ce qu'il a vu. Et il a décidé de narrer une démarche qu'il va avoir, c'est de faire passer deux migrants qu'il a rencontrés à Vintimille et de les amener sur les routes de montagne, justement, pour traverser la frontière. Et il raconte cette expérience dans cet ouvrage publié chez Boucher Chastel, effectivement, avec ce lien qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il fait passer les migrants par les lieux mêmes où étaient passés d'autres migrants, d'une certaine manière, discriminés, quelques années, tu connais bien ça, Annie, quelques années auparavant, enfin quelques années à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lorsque dans une autre vallée, de l'autre côté, dans la Vésubie, des habitants de ce village de Saint-Martin-Vésubie avaient aidé des juifs qui fuyaient l'investissement de la ville de Nice par les nazis, qui reprenaient la domination italienne avec évidemment une dimension supplémentaire de répression antisémite. Bien, les juifs s'étaient repliés à Saint-Martin-Vésubie, les habitants du village avaient fait passer ces juifs, vers l'Italie. Bon, le résultat n'a jamais été très bon, puisque beaucoup se sont fait attraper, peu importe, la démarche était là. Et donc ce village des Justes de Saint-Martin-Vésubie a été comparé par Raphaël Kraft avec les Justes d'aujourd'hui, qui seraient ces migrants qu'on aide à faire traverser la frontière dans l'autre sens, vous voyez, dans les deux sens. Alors évidemment, ça a valu pas mal de problèmes, parce que est-ce qu'on peut comparer, c'est une question qu'on peut poser, effectivement, hein, est-ce qu'on peut comparer ces deux périodes qui n'ont rien à voir, bien entendu, hein, et en même temps, qui, dans la geste, peut-être un élément intéressant à prendre en compte, c'est un peu la démarche qu'a développée Raphaël Kraft dans ce cadre-là. Et puis, intensité frontalière, puisqu'on va voir aussi apparaître à la frontière une sorte d'expression culturelle, si vous voulez. Hein. Par exemple, cet artiste italien très connu, Michelangelo Pistoletto, hein, qui est cet artiste de l'arte povera, hein, qui est venu tout à fait sensibilisé à la cause des migrants à Vintimille, devant la frontière, pour y produire sa fameuse œuvre. Alors, il y a la Vénus en chiffon, c'est pas ça. La Vénus en chiffon, elle existe, donc c'est des chiffons qui composent une sorte de statue, hein, qui avait été créée dès 67 et qui va réaffecter ici, mais également cette œuvre, en quelque sorte, qu'il va dupliquer, qu'il va multiplier et qu'il va provoquer à la frontière ici avec des élus, notamment le maire de Vintimille, hein, que vous voyez ici par exemple, avec son sein de son écharpe, devant la frontière, avec cette idée, ce symbole de la, je dirais, de l'accueil, de la bienveillance par rapport aux migrants dans ce contexte-là. Et à partir de là, on va voir que ce lieu est un lieu aussi investi par des auteurs, par des artistes. Je pense notamment à ce pédéiste qui s'appelle Edmond Baudouin, hein, qui a publié un recueil d'une planche de BD sur Humain, la Roya est un fleuve, où on parle effectivement de ces formes de solidarité, où d'une certaine manière on voit le poste frontière, le fameux poste frontière dessiné par Edmond Baudouin, et très célèbre, hein, ce poste frontière, on l'appelle le Delta Plate dans le Bois de Haut, parce que c'est une sorte de voile qui avait été créé en 1967-68, au moment où on avait dédoublé le poste frontière. Mais on va aussi redécouvrir des auteurs italiens comme Francesco Biamonti, je ne sais pas si vous connaissez, pas très connu, mais c'est un poète, écrivain, mort en 2004, je crois, qui a beaucoup publié en son temps, dans les années 80. Là, c'est quelqu'un qui fait partie des gens de frontière. Il est un piémontais, pendant un Ligure, hein, il habitait du côté de Bordighera, il a beaucoup réfléchi justement à la question de la frontière avant que cette frontière ne soit remédiatisée dans ce cadre-là, dans les écrits de Diamant qui sont importants, ou des écrits de photographes, démarche d'une photographe qui en 2011 a demandé aux migrants de vider leur sac et a pris des photos de ces migrants. Alors ça a été controversé, on a dit qu'il ne fallait pas aller, etc. Je voulais dire par là, c'est qu'il y a effectivement une dimension presque artistique qui joue là. Hein. Une compagnie de Imperia a provoqué ici une sorte de balade théâtrale sur les chemins des vêtements, lorsque les migrants laissent leurs vêtements sur les routes. Les passages clandestins s'appellent Sentiero dei Vestiti, et donc les gens sont venus visiter les parcours des uns et des autres dans ce cadre-là, jusqu'à dans ce contexte, rappeler l'épisode de Jérôme Kerviel, qui n'a rien à voir, mais simplement j'ai parlé de Kerviel, pourquoi? Parce que regardez, quand il vient à la frontière, il fait sa rédemption d'Italie, quand il arrive à Vintimille, il y a une telle présence, que sa présence à Vintimille, elle est presque recherchée pour les médias, parce que quelque part c'est un lieu qu'on connaît très bien. Ça n'a rien à voir, mais ce qui est à voir pour moi ici, c'est cet engluement médiatique qui est provoqué lorsque Kerviel arrive ici, donc pour être d'une certaine manière mis en scène et narguer la France de l'autre côté de la frontière en disant « je ne traverse que si vous m'accordez telle et telle chose ». Donc ça a été pendant un temps un cadre important, et donc on le voit ici. Alors, ça c'était une première partie que je voulais aborder, maintenant ça me permet de remonter un peu dans le temps pour considérer que cette frontière est une frontière qui se franchissait auparavant avec pas mal d'éléments aussi importants. D'abord,
considérer que ce travail sur la frontière a été pas mal étudié par pas mal d'historiens dans les années 70, 80, 90. Le dernier en date, c'est ce travail qui a été organisé par les archives départementales des Alpes-Maritimes. J'ai une petite anecdote parce que j'ai travaillé avec eux. Vous voyez, le titre, c'est « Franchir et fixer la frontière, Alpes-Maritimes 1760-1947 ». Vous n'êtes pas sans savoir que le conseil départemental est géré par le conseiller départemental qui était Éric Ciotti. Donc là, qui est toujours Éric Ciotti aujourd'hui. Et il a accordé l'idée que les archives puissent faire une exposition sur le sujet en ne parlant pas d'après 47. Donc c'était ça ou rien, il fallait s'en tenir à 47 et pas parler d'aujourd'hui. Donc j'ai été obligé de s'obtempérer hein, d'une certaine manière. Donc on est parti sur 47 avec cette idée que la zone de frontière est d'abord une frontière qui, avant le rattachement du comté de Nice à la France, était une frontière à travers le fleuve Var. C'est-à-dire si vous êtes à Nice, vous arrivez à l'aéroport de Nice, c'est là qu'était la frontière avant 1860. Avec notamment ce fameux pont en bois ou pont en fer ensuite, qui va matérialiser une frontière qui était très très étanche entre la France et l'Italie. Il y a un quartier à Nice que tu connais à Nice qui s'appelle la Digue des Français. La Digue des Français, qui est un quartier de Nice où aujourd'hui une série de grands ensembles ont été construits, c'était la digue qui contenait les Français de l'autre côté en quelque sorte et qui, comme la frontière n'existe plus, l'a dit à travers cette appellation en quelque sorte ici. Et puis évidemment, cette dimension locale fait que jusqu'en 1860, la frontière, elle est naturelle à travers le fleuve Var. C'est vraiment le comté de Nice du reste de la France. Hein, et mon collègue de Gassin, c'est que bon, il est dans le département du Var, mais c'est pas le Var ne passe pas dans le département du Var. Ben, c'est très lié évidemment à cette question de réaffectation frontalière dans ce contexte-là. Et puis, évidemment, le déplacement, on l'a choisi à un endroit qui semble difficile à franchir, justement. Hein. Et cet endroit difficile à franchir, je reviens aux cartes postales, c'est effectivement cet endroit qu'on choisit ici, dans un endroit, on parle bien d'Alpes-Maritimes, où la montagne tombe sur la mer. Donc, on est effectivement là, dans un... On avait choisi deux ou trois endroits où, effectivement, c'était difficile de passer. Donc, effectivement, là, Menton, hein, la frontière est fixée ici, puis ensuite, vous avez la Ligurie, là derrière, Vintimille, avec un tout petit village ici, du côté italien, ici, qui est sur la frontière, en quelque sorte, hein, c'est Grimaldi, hein, le village de Grimaldi, hein. Il y a l'homme de Grimaldi sur la frontière, mais c'est très compliqué cette réalité-là. Mais en tout cas, le choix a été un choix stratégique pour empêcher les franchissements dans ce contexte-là. Et cette frontière va devenir un élément de maillage, y compris dans les médias. Vous voyez, on va, vis-à-vis de cette frontière, provoquer une sorte de fixation des imaginaires autour de la frontière, qui n'est pas qu'un imaginaire négatif. L'imaginaire de la frontière peut être tantôt négatif, tantôt positif. Regardez, les images ne sont pas très... inquiétante quand on regarde ça, hein, une forme comme ça de beauté effectivement du paysage, c'est certain, hein, escarpé, la plage, la très belle ville de Menton, Monaco, le Cap Martin, donc la frontière est aussi un jeu d'attractivité et de répulsion en quelque sorte dans ce cadre-là, et très largement les images de cette époque sont des images qui montrent effectivement la frontière comme un élément extrêmement présent dans le territoire. Regardez, il y a des dizaines de cartes postales, des centaines de cartes postales qui évoquent la frontière, soit du côté italien, soit du côté français, avec parfois plus ou moins de discussions et de mise en scène. Ici, c'est un ravin, alors c'est peut-être un peu plus inquiétant, le ravin, hein, qui sépare la France et l'Italie au pont Saint-Louis. Pour que vous sachiez bien, le pont Saint-Louis, c'est la frontière qui se situe un peu sur la hauteur, et le pont Saint-Ludovic, plus tard, on attend les années 60, pour diversifier la frontière et la doubler en quelque sorte, qui est créée à cette occasion. Alors, il y a quand même qui va jouer sur les relations franco-italiennes, c'est que cette frontière, si elle est écrite en 1860, elle se fait dans un contexte où la France et l'Italie n'ont pas vraiment d'animosité, d'antagonisme. En revanche, au fil des années, très tôt, on va voir cette nécessité de faire de cette frontière aussi un lieu de sécurisation. Et dans l'ensemble français, effectivement, la ville de Nice en particulier va être une ville qui va devoir être défendue. C'est pour ça que très tôt, la frontière est non seulement une frontière qui régule les passages des populations, mais qui est aussi une frontière qui va très tôt être équipée en termes militaires. Dans une première génération d'équipements qu'on appelait la génération serrée de rivière, qui est en fait une génération qui concerne toutes les lignes de frontière du nord de la France jusqu'à Menton, effectivement. Plus tard, la ligne Maginot. Hein, à côté de Menton, vous avez des ouvrages Maginot qui ont été effectivement construits à la hâte dans les années 30, effectivement. Et dans ce contexte-là, on va avoir aussi des équipements de ce type, mettant en évidence la dimension véritablement d'une frontière qui est très prégnante, aussi bien, vous voyez, dans cette idée de sécuriser et aussi d'empêcher les convoitises italiennes lorsqu'elles surgiront. Alors, il y a eu un premier moment qui était compliqué, c'était le moment du gouvernement Crispi dans les années 1890.
bien sûr encore plus au moment de l'arrivée au pouvoir de Mussolini, où là les convoitises sur le comté de Nice et la Savoie seront des convoitises extrêmement claires, extrêmement précises, parlant des terres irrédentes, hein, l'irrédentisme, ces terres sont italiennes pour lui, pour son idéologie, et donc effectivement on va très tôt assister à des crises franco-italiennes autour de la frontière. À partir de 1925, 26 et 27, ces trois années sont des années d'extrême tension autour de la frontière, et en particulier autour de la migration qui passe à travers ces frontières. Donc il y a plusieurs dangers. Il y a le danger militaire. Mussolini va petit à petit équiper la frontière de bâtiments, c'est un premier élément. Et puis il y a aussi le danger de cette migration qui devient massive et qu'il faut d'une certaine manière freiner, en quelque sorte. Hein, mais l'administration des frontières est une administration souvent à géométrie variable, puisque dans les années 1920, par exemple, Mussolini se montre menaçant et les autorités françaises, en particulier le préfet des Alpes-Maritimes, va nommer un commissaire spécial à la frontière. Commissaire spécial qui est chargé, au début 1925, de faire un recensement de comment est-ce qu'on protège notre frontière. En fait, ça, c'est intéressant de voir ces archives. Lorsqu'on demande aux douaniers de faire un état des lieux, par exemple, les douaniers disent qu'au poste de Vintimille, le soir à 18h, ils s'en vont. Donc, à 18h, la frontière est fermée, ils ont fini leur service, ils rentrent chez eux. Donc, effectivement, la frontière n'est pas gardée 24h sur 24. Donc, tout de suite, il va dépêcher des unités de gendarmerie, de douaniers qui vont venir équiper la frontière 24h sur 24, hein, à partir de là. Donc, et la frontière peut être effectivement à géométrie variable dans ce contexte-là. Et la menace va intervenir très rapidement lorsque voilà, la gare de Vintimille va devenir un point de tension très fort. Cheminots français, cheminots italiens vont parfois en venir aux mains, et ce sera extrêmement violent, et jusqu'à cette idée de la peur de l'invasion italienne au sens militaire. Prenez la presse de cette époque, en France, pas dans la région, où on pense qu'une invasion de Nice peut être envisagée soit par la mer, soit par la montagne, donc on se prépare, ce qui viendra plus tard, et qui en 1926-27 est quelque chose d'assez imminent, inquiétant, et on a cette forme d'inquiétude qui émerge à cette occasion, et ça c'est effectivement quelque chose d'assez central à cette époque-là, cette idée de la peur, de la violation de la frontière. Alors quand je dis que ça se produira, c'est que quelques années plus tard, donc au moment de la débarque, en juin 1940, il y aura la bataille du pont Saint-Louis. Et la bataille du pont Saint-Louis, ça va être entre le 18 juin et le 28 juin 1940, donc au moment clé de l'histoire de notre pays. Neuf hommes vont se battre sur le poste frontière, neuf hommes de l'armée française, du bataillon des chasseurs alpins français vont se battre et vont résister à tout un bataillon italien, hein, sur environ 300, mais avec leur défense dans un petit ouvrage Maginot qui est sur la frontière, c'est encore visible aujourd'hui, eh bien, ils vont empêcher pendant 10 jours les Italiens de fondre véritablement sur Menton. Et vous savez que, bon, ensuite, ils vont être vaincus, et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Menton va être occupée, la ville de Menton va être occupée par l'Italie. Seulement la ville de Menton, avant que l'Italie n'occupe pendant un an tout le sud-est jusqu'aux Alpes. Mais pendant toute la guerre, Menton, bas monnaie italienne, il y a des réfugiés mentonnais qui vont s'installer dans les Pyrénées et ailleurs, donc il va y avoir comme ça une situation de réalité qui s'annonçait déjà pendant la période de la guerre, et en même de l'avant-guerre, pardon, des années 20. Et en même temps, excusez-moi, c'est un terme macronien, mais en même temps quand même, il y a autre chose vis-à-vis de la frontière, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que ce littoral de la Riviera est un littoral prisé par les touristes, mondains, et en même temps, la balade à la frontière, c'est autre chose. C'est un endroit qui peut être aussi un lieu de villégiature, un lieu de balade, un lieu de promenade, tout ça pour aller peut-être découvrir une forme d'exotisme italien. Et donc, on a toute une série de... Pour les touristes qui arrivent à Nice dans les années 1890, 1900, 1910, 1920, hein, eh bien, on a des excursions qui sont proposées jusqu'à San Remo. Les excursions sont les plus prisées, hein, dans le tour en voiture à San Remo, pour ceux qui ont un peu de moyens. Effectivement, il y a ce passage à la frontière qui est extrêmement prisé, extrêmement utilisé, avec, vous voyez, ces images qui montrent comment est-ce qu'on magnifie d'une certaine manière le post-frontière. Regardez ce post-frontière qui est complètement nié en termes de réalité géopolitique ici. Vous avez donc la frontière ici. Alors, il n'y avait pas encore ce passage du sud, là, où j'ai parlé tout à l'heure du poste Saint-Ludovic avec le camp du Presidio qui n'existait pas à l'époque, on n'avait pas tracé la route. Donc ici, c'était une sorte de jardin avec un restaurant de luxe. Le restaurant des Paltiros, c'est les roches rouges qui étaient là, avec un ascenseur qui vous permettait de monter. C'est le modèle de la technique, hein, cette frontière. Donc vous montiez avec ça a disparu, aujourd'hui il ne reste plus que ce bâtiment. Donc vous montiez l'ascenseur, vous baladiez, vous avez des commerces tout au long du poste frontière, de part et d'autre. Donc l'excursion était une excursion qui permettait aussi ça, malgré les tensions qui pouvaient exister.
Évidemment, ça sera un peu limité après avec Mussolini, mais ça va exister. Vous voyez comme on a fleuri, comme on a rosy coloré l'image, effectivement, ici, hein, avec aussi un ensemble d'éléments qui montrent, vous voyez, que Menton excursion à la frontière. Hein. Donc des gens viennent à dos de mulets, peut-être ici, en train de balader pour voir comment est-ce que les choses se passent. Et donc on a un lieu qui est un lieu d'attractivité, voilà ce que je veux dire. Hein. Vous voyez, on est à la douane italienne, on vient un peu côtoyer l'autre, d'une certaine manière. Cet autre italien, on vient franchir la ligne. Elle est là, la ligne. Et la ligne de frontière n'existe plus. Hein. Il y a une borne ici qui a été brisée par les Italiens lorsque Mussolini a occupé Menton, puisque la frontière n'était plus là. Donc on a tout cassé, on a tout enlevé, effectivement. Mais on venait franchir et on se faisait prendre en photo. Il y a des centaines de photos là-dessus, où des gens se font prendre sur la ligne frontière. Donc c'est une sorte de volonté d'être mis en scène autour de ça. Vous voyez, il y a quelques manifestations ici qui peuvent être des lieux de voyages organisés, de groupes, etc. Et cette intensité, effectivement, elle est très particulièrement connue aussi par le fait qu'à partir du moment où les automobiles commencent à se développer, eh bien, il y a beaucoup de gens de la région, avec leur automobile, s'ils en ont, ou qui, avec leur moto, leur mobylette, traversent la frontière pour se rendre à Vintimille, pour faire leur marché et autre chose. Et donc, c'est un lieu qui est très... Regardez cette image qui saisit, effectivement, le pont Saint-Louis, surbooké, on pourrait dire, de gens qui traversent, qui passent à pied, en mobylette, en voiture, etc. C'est une sorte de réalité de l'embouteillage aussi, hein, qui donne ce label, vous voyez, Menton, frontière. Dimension frontière. Hein, ou quand on envoie une carte postale de Menton, on envoie une carte postale, on dit, on est bien à la France, c'est super, c'est magnifique, mais il y a la frontière qui est là, hein, et qui donne aussi des éléments de réalité, comme on le verra un peu plus tard, de l'autre côté, avec des cartes postales italiennes aussi, qui mettent à peu près la même dimension, vous voyez, frontière italo-française, là on est plutôt dans l'après 1945. Et il y a une autre image qui est aussi intéressante, parce qu'elle rassure aussi. C'est l'image des deux douaniers, de part et d'autre, des douaniers italiens et français, hein, qui se posent, devant là, on ne va pas dire qu'ils se congratulent, mais qui posent en bonne intelligence devant la bonne frontière. Hein, et ça fait le succès des cartes postales de l'époque, douaniers français et italiens à la frontière, qui montrent que cette frontière est bien gardée, que les gens sont en bonne intelligence, on se serre la main devant la ligne. On montre voilà, comment est-ce que cette frontière elle est aussi un lieu où les choses se passent à peu près normalement. Et vous voyez, par exemple, ici, si on saisit furtivement une carte postale, en 1912, une personne a écrit cette carte postale, on écrivait au dos et devant les cartes postales hein, à l'époque. Hein. Je suis contente, j'apprends par les journaux que vous avez beau temps, mais nous déjeunons et nous dînons un peu partout, au grill room, etc. Et donc on envoie de la frontière cette image qui donne une sorte de vision des vacances. Hein, à cette occasion, dans ce contexte-là, voilà, donc toutes ces cartes postales fleurissent et montrent ici, vous voyez, qu'on a des échoppes, des étals hein, qui vendent tout un ensemble de choses à ce cadre-là. Et donc tout ça est très, très positif et ces images-là sont beaucoup plus rares. C'est-à-dire ces images d'une frontière qui est fermée, qui est barricadée à l'époque, effectivement, de 1940, où là on a un côté martial qui a un petit peu, évidemment, été oublié à cette époque-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après 1945, il va y avoir quelque chose qui va être aussi très important, c'est le flux des migrants italiens, souvent après un ensemble de moments de difficultés, qui montrent que quelque part, la frontière est aussi un lieu de franchissement clandestin. Je voudrais vous faire entendre ce document qui est très emblématique, il faut l'entendre, il faut l'écouter assez précisément, qui se situe, vous voyez, en 1946, lorsque un reportage des actualités françaises fait état de ces clandestins italiens qui traversent les Alpes à leurs risques et périls, en quelque sorte, et qui peuvent mourir aussi, mais qui sont bien accueillis du côté français à une époque où la France renaît et revit. La musique, déjà. Au pied des Alpes, sur le versant italien, la ville d'Ostes et sa vallée posent un problème. Aost. Dans ce pays où les noms, la langue, les mœurs, les aspirations sont françaises, il ne semble pas que l'octroi par l'Italie d'une sorte d'autonomie dans le cadre italien ait satisfait les 100 000 Valdotins. Les Valdotins respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige, les reporters des actualités françaises ont réussi dans des conditions dramatiques à filmer Dost en France la traversée d'une dizaine de ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient trois enfants. Surpris par
une tempête de neige, une partie du groupe put se réfugier à l'hospice du Petit Saint-Bernard et gagner le lendemain le versant français. Désunis un cadavre qu'on ramena en terre française, un cadavre que les frontaliers accueillirent avec la grande piété simple des âmes primitives. Pourquoi des hommes fuient-ils leur pays? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route? C'est le problème, Doc. C'est le problème, Doc. Il y a tout dans ce document. Il y a tout parce que c'est un peu la fin du cycle des Italiens. Vous voyez, on est un peu en hors cadre presque parce que l'après 45, c'est un peu fini. Les Italiens, c'est d'autres qui vont avoir les mêmes problèmes. Et là, on a encore des Italiens qui sont dans l'immédiate après-guerre. Et donc, c'est encore pendant quelques années cette difficulté. Mais ce qui est intéressant là, c'est bien sûr l'ensemble du document. C'est-à-dire, c'est une belle histoire qu'on raconte malgré l'histoire qui a des drames aussi, mais qui se finit bien. Hein, ben, vous avez tous senti la musique, le type de récit qui est organisé, la difficulté. Et puis l'arrivée sous le soleil avec une musique qui va bien, on pourrait dire. Vous avez entendu comme moi la fierté des âmes, des âmes simples et primitives. Les Alpins, vous remercierez. Les Savoyards vont être contents. Vous remercierez les journalistes. Hein, on les voit d'ailleurs ici, hein, ces âmes représentées comme ça. Et vous avez aussi réagi au Val d'Auteuil, respire mal. Voilà, parce que, genre, alors, qu'est-ce que c'est que cette difficulté à respirer? C'est l'Italie qui n'est plus qu'un tas de ruines, ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, voilà. Donc il y a cette idée que nous sommes en 45 et qu'on veut que les Italiens désormais, enfin on veut, on accepte mieux les Italiens après 45, c'est encore un peu compliqué, mais plus tard ce seront les bons immigrés, après avoir été les mauvais immigrés d'une certaine manière. Hein. Et donc ce document le montre d'une manière assez évidente, parce que très vite, si vous voulez, je voulais vous montrer ça parce que je vois que le temps tourne, et que je ne veux pas dépasser parce que vous avez d'autres choses à voir, mais quand même, très vite, les Italiens vont devenir aussi des mêmes. C'est-à-dire, finalement, cette question de l'immigration italienne est un peu en bout de course ici, et très vite, on va voir qu'il va y avoir des mouvements, peut-être, vous n'avez pas ça en tête, au début des années 50, des mouvements pro-européens, qui vont déboucher sur le traité de Rome et la CEE en 1957, qui vont aller à la frontière, toujours la même, qui m'intéresse ici, en l'occurrence, de Vintimille, pour aller manifester contre les frontières. Et regardez ce mouvement européen, alors, vous savez, c'est le mouvement qui était très engagé à ce moment-là dans le mouvement européen international, en particulier lorsque notamment le belge SPAC, par exemple, avait fondé le congrès de La Haye à cette occasion. Et donc en 1953, si je retrouve, on va trouver quelque chose qui est un peu surprenant par rapport à ce qu'on peut dire là. C'est une manifestation à la frontière, on va brûler un poteau frontière pour dire qu'entre Français et Italiens, il n'y a plus de problème. À Menton, la frontière franco-italienne a été le théâtre d'une manifestation pacifique en faveur de l'Europe. Monsieur Paul-Henri Spaak, président de la Haute Assemblée du Charbon et de l'Acier, et les délégués français et italiens ont à nouveau affirmé leur volonté de voir supprimer les frontières et de ne faire qu'un de tous les pays d'Europe. Après quoi, pour marquer leurs intentions, les manifestants ont fait un auto-da-fé d'un poteau frontière factice en le remplaçant par une pancarte sur laquelle étaient inscrits les mots d'ordre du mouvement européen. Voilà, donc on a fait un auto-da-fé d'un poteau frontière factice. C'est assez drôle parce que, évidemment, si on met les deux documents en parallèle, il y a une sorte de paradoxe presque. Hein, en même temps que ceux qui passent clandestinement, là on voit qu'il y a une volonté quand même d'abattre ces frontières qui vont effectivement aboutir au processus européen jusqu'aux accords de Schengen, avec toutes les étapes connues. Et autre intensité médiatique, vous voyez, pour une autre raison. Paul-Henri Spaak, grande figure de l'Europe, vient à Vintimille, vient sur cette frontière pour dire que ben, on n'en veut plus les frontières, ces frontières, désormais, on est dans un nous européen qui doit mettre en scène les choses. Alors bien sûr, ce nous européen, il va commencer à fonctionner. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de véritable animosité en termes de migration avec la France et l'Italie, entre France et l'Italie, mais progressivement, évidemment, cette frontière va continuer à exister à travers d'autres types de franchissements. Je pense notamment aux Yougoslaves, la population yougoslave qui va venir. Et le dernier document que je voudrais montrer, mais je ne vais pas le montrer trop longtemps parce qu'il est un tout petit peu long, c'est en 1961, où on montre que, notamment un endroit qui va s'appeler le Pas de la Mort. Justement, vous avez montré tout à l'heure le caractère escarpé de cette frontière. Et de plus en plus, l'immigration clandestine passe par des routes qui sont de manière à contourner
entière. Et il y a des morts régulièrement, comme on a vu là dans le document. Il y a eu des morts très récemment encore. Il y a une personne qui est morte il y a quelques mois, encore dans cet endroit, où se perdant un petit peu dans les méandres de ces montagnes, il tombe, il bascule, et s'abîmant en contrebas. Et dès 1961, c'est un migrant qui est repéré, et les médias sont là pour suivre l'opération de secours et de sauvetage. Je vous en montre un tout petit exemple de ce pas de la mort ici présent. Ils sont des centaines chaque année qui partent la nuit d'Italie pour partir en fraude de la frontière française. Yougoslaves, Italiens, tous les clandestins prennent un chemin identique qui les mène ici en pleine nuit, dans cette forêt du No Man's Land au-dessus de Menton. Et à l'aube exténuée, ils aperçoivent les lumières de la ville. Alors instinctivement, ils suivent un petit sentier qui semble y conduire tout droit. C'est le sentier du pas de la mort qui se transforme tout à coup en ravin. Parmi ceux qui tombent dans ce piège, quelques-uns, ils sont rares, parviennent quelquefois à se retenir à une souche d'arbre à des fils qui pendent. Ils ne peuvent plus qu'appeler à l'aide et attendre qu'une équipe de secours vienne les chercher. Et s'ils le peuvent, ils doivent ainsi, sans pouvoir remuer, attendre quelques heures suspendus dans le vide. Sinon, ils s'écrasent 100 mètres plus bas, tous au même endroit. Voilà, alors on n'a pas le temps, mais là, la suite du reportage, c'est le journaliste qui est ici présent, c'est 5 colonnes à la une, hein, qui interroge toute l'équipe en train d'agir et qui vont sauver le clandestin, qui est en fait un Yougoslave dans ce cadre-là. Alors, je voudrais terminer et conclure par deux ou trois remarques et deux ou trois éléments de réflexion par rapport à ce que j'ai dit. En matière d'intensité, on a peut-être compris, effectivement, qu'il y a cette sorte de continuité dans différents cadres, de l'attention qu'on peut avoir à la frontière, et en particulier à cette frontière-là que j'ai pris comme un exemple. Mais évidemment, ça peut tout à fait s'élargir. La première, donc, c'est de montrer cette dimension importante en matière de franchissement des frontières, qui est multiscalaire, on pourrait dire. C'est que la frontière, elle est à la fois un phénomène mondial, et en même temps, elle se focalise sur des lieux très particuliers. En particulier, là, c'est celui-là. On aurait pu parler de Calais, on aurait pu parler des Pyrénées aussi. Bon, ça, c'est un élément important, c'est le premier aspect. Avec cette dimension complexe qui fait que quand on migre de tel ou tel endroit, on sait qu'il y aura des étapes ou des difficultés à certains endroits, hein, et notamment en Vintimille, est souvent conçu par les migrants comme un endroit où il faut, à un moment donné, se heurter à quelque chose, en l'occurrence l'écueil des montagnes et l'écueil de la frontière. Ça, c'est le premier élément d'intensité. Le second, c'est l'intensité, effectivement, des traces de la frontière passée, présente, hein, une sorte de dialectique entre le présent de cette migration que j'essaie de présenter rapidement et puis tout ce passé qui est très fort ici, entre des récits parfois très positifs, comme on a pu voir avec les images de cartes postales, mais aussi des récits de drame, comme on a pu voir ici. Et le troisième élément, effectivement, c'est de montrer que dans ce contexte-là, à partir d'un seul lieu, on peut voir toutes les problématiques finalement de la migration qui se cadrent dans un territoire et qui parfois sont des éléments à éclipse, et effectivement, en terminant cela, montrer que du côté de Briançon en particulier, il y a eu notamment ce renouveau de l'intensité médiatique avec notamment cet épisode de 2018, lorsque les identitaires sont venus défendre la frontière et placer des poteaux. Je le mets sans son, comme ça je peux parler. Hein, vous voyez là ces générations identitaires qui sont venues rééquiper les Alpes du Nord. Alors là, on retrouve Modane et la région, hein, c'est plutôt la vallée de Desvaches en particulier, hein, plutôt du côté de Briançon, effectivement, où cette génération identitaire est venue en 2018 pour dire aux migrants « Ne passez pas, nous ne voulons pas de vous, et nous allons montrer, manifester notre mécontentement par rapport à ce flux, et venir investir la montagne, à côté des, ou face plutôt aux militants qui vous aident, bien, nous allons dire « Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons pas de vous, restez chez vous, on va venir équiper, vous voyez, ici, je passe vite, mais des poteaux pour montrer que voilà, il y a une barrière qui existe et qu'il faut respecter en quelque sorte. Donc, avec ce slogan, hein, repartez, hein, voilà, il y a le slogan ici, no way, hein, ne venez pas ici. Et le col de l'échelle en particulier est devenu lui aussi en 2018 un lieu d'intensité médiatique entre ceux qui viennent lutter contre les migrants et ceux qui viennent les aider dans ce contexte-là. Donc, une sorte de retour de l'histoire en quelque sorte. Bon, voilà, j'arrête là parce que j'ai été un peu bavard. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Voilà. Vous avez vu pourquoi j'ai écourté ma présentation vivant, parce que je savais que c'était très riche. Vraiment, voilà. S'il y a quelques questions, vraiment n'hésitez pas, profitez-en.
Et alors, peut-être avant cela, je voulais simplement dire que la conférence de Nivang est enregistrée, elle sera diffusée sur les rendez-vous de l'histoire, mais particulièrement chez les Clionautes, hein, qui est une association d'historiens et de géographes qui est agréée par l'Éducation nationale. Qui est une plateforme collaborative de cours, de collège, lycée, université, et voire même de prépa. Moi, personnellement, je m'occupe justement du lien qui est au prépa agrégation interne pour des candidats qui passent ces concours. Et donc là, nous mettons sur une plateforme également toutes les séquences qui ont été enregistrées, puisque nous sommes partenaires avec le rendez-vous de l'histoire pour enregistrer auprès des rendez-vous de l'histoire. Voilà. Alors je voulais dire, donc cette conférence, vous l'avez, elle sera rédigée, ben, voilà, vous avez ici la rédactrice, hein, Christiane, qui va nous faire un bon compte rendu comme elle a l'habitude. En plus, elle est responsable de la bibliothèque, voilà, hein, c'est-à-dire des prêts de livres qui sont donnés rapidement, et au bout de mois, il faut faire obligatoirement un CR. Voilà, donc ça vous le verrez avec le client. Et ce que je voulais dire, c'est que vous aurez donc la conférence qui sera enregistrée. Vous aurez donc le compte rendu qui est un accès libre. Voilà, et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour vous donner votre remarque. Donc vous allez pouvoir récupérer aussi ces images. Je vais un peu parler parce que je serai un professeur d'histoire et géographie dans le secondaire. Et ça, c'est un thème qui touche autant le collège, autant le lycée, particulièrement dans les nouveaux programmes, que ce soit pour les secondes, que ce soit pour la première spécialité que je vais faire également, le fameux M3. Donc il y aura, on récupérera, on peut récupérer un petit thème justement sur ce thème-là. Alors voilà, je vous laisse les clients, les Clionautes, voilà, cette association vous permet d'accéder à toutes ces ressources, hein, et allez vraiment regarder sur le site clionautes.org, et vous aurez plus d'informations que je vous donne actuellement pour pouvoir vous regarder.